Le canard mandarin, ex Galericulata, est une espèce d'oiseau appartenant à la famille des Anatidae. Il est originaire d'Asie de l'Est, mais il est également élevé et introduit dans d'autres parties du monde en raison de sa beauté et de son attrait. Apparence générale, le canard mandarin est un oiseau de taille moyenne, avec des mâles plus grands que les femelles. Les mâles arborent un plumage extrêmement coloré et ornemental, tandis que les femelles ont un plumage plus discret mais élégant. Plumage du mâle, le mâle adulte est reconnaissable à son plumage spectaculaire. Il a une tête ronde avec un bec rouge vif, des yeux foncés et une petite crête en forme de voile sur le sommet de la tête. Son plumage est un mélange de couleurs vives comprenant des tons de bleu, de vert, de blanc, de noir et de roux. Il présente un motif complexe sur le corps, avec des plumes allongées et des ailes aux couleurs chatoyantes. Les ailes ont des bandes blanches visibles en vol. La queue est particulièrement remarquable, avec des plumes allongées et courbes, formant une structure en éventail. Plumage de la femelle, les femelles ont un plumage plus discret. Elles ont une tête grise avec des taches blanches près des yeux, un bec grisé et un corps principalement brun clair. Leurs ailes présentent des motifs de couleur plus terne, avec des stries et des taches. La file d'attente est plus courte et moins ornementée que celle du mâle. Habitat, les canards mandarins se trouvent généralement dans les zones boisées et humides près des rivières, des lacs et des étangs. Ils sont également capables de nager et de plonger pour se nourrir. Comportement, les canards mandarins sont principalement des oiseaux sédentaires, bien qu'ils puissent effectuer de petites migrations saisonnières. Ils se nourrissent principalement de plantes aquatiques, de graines, d'insectes et de petits invertébrés. Ils peuvent également se percher sur les branches des arbres. Répartition géographique, le canard mandarin est originaire d'Asie de l'Est, notamment de Chine, du Japon et de la Sibérie orientale. Il a été introduit dans d'autres parties du monde, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où il est élevé en captivité et dans des parcs. Plumage saisonnier, le plumage du canard mandarin subit des variations saisonnières. Pendant la période de reproduction, les mâles arborent leur plumage nuptial spectaculaire, avec des couleurs vives et des motifs complexes. Après la saison de reproduction, les mâles muent et adoptent un plumage plus terne et semblable à celui des femelles.
régime alimentaire, les canards mandarins sont principalement herbivores. Ils se nourrissent de graines, de plantes aquatiques, de pousses, de racines et de tubercules. Ils consomment également des insectes, des vers et d'autres petits invertébrés. Ils se nourrissent en plongeant leur tête et leur bec dans l'eau ou en broutant sur la terre ferme. Adaptation à la vie arboricole. Contrairement à de nombreux autres canards, le canard mandarin est adapté à la vie arboricole. Il est capable de grimper sur les branches des arbres à l'aide de ses griffes puissantes situées à l'extrémité de ses pattes palmées. Cette adaptation lui permet de se percher et de se nicher dans des cavités d'arbres pour se reproduire. Reproduction, la période de reproduction des canards mandarins a lieu au printemps. Les mâles déploient leur plumage nuptial éclatant et effectuent des parades pour attirer les femelles. Les couples se forment et construisent des nids dans des cavités d'arbres près de l'eau ou dans des boîtes de nidification artificielle. La femelle pond en moyenne 9 à 12 œufs, qu'elle incube seule pendant environ 28 à 30 jours. Après l'éclosion, les canetons sont guidés par la femelle jusqu'à l'eau, où elles apprennent à nager et à se nourrir. Symbolisme culturel. Le canard mandarin est un symbole important dans de nombreuses cultures asiatiques. En Chine, il est associé à la félicité, à la fidélité conjugale et à la beauté. Il est souvent représenté dans l'art traditionnel chinois et est considéré comme un symbole de bon augure. Conservation. Bien que le canard mandarin soit répandu et considéré comme une espèce de préoccupation mineure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, certaines populations locales peuvent être menacées en raison de la perte d'habitat, de la dégradation des zones humides et de la chasse non réglementée. Le canard mandarin est souvent admiré pour sa beauté et son plumage ornemental, ce qui en fait l'une des espèces de canards les plus emblématiques. Que ce soit dans la nature, dans les parcs ou dans les élevages, il est apprécié pour sa présence colorée et son comportement unique.